Bon, tant mieux, putain. Moi, ça va mieux. Ça va mieux que l'année dernière. L'année dernière, il m'est donné un coup, il m'est tombé un coup sur la tête, quelque chose de bien et de pas bien, à retraite. Je dis, Akeolicio, si vous vieillez. Je me suis retrouvé troisième âge. Pfff, à quel ademus, ça. Remarque, au troisième âge, si t'as la santé, enfin, bien la santé, tu as des avantages. Tu as des avantages. Enfin, la santé, et puis une femme avenante qui fait bien le manger, qui casse pas les burnes, une bonne retraite, un bel appartement en ville, une maison à la campagne, le 4 quarts, les enfants qui sont pas en prison, tout va bien. Et là, je me retourne avec du bide. Putain. Je veux pas quand même faire du sport ou du vélo pour me faire tomber le bide. Je suis pas gaga. Faut être gaga pour faire du vélo dans notre pays. Il n'y a que des Muntaka là. T'arrêtes pas. Moi j'habite à Berre, 700 mètres d'altitude. Oh, ils te montent en plein cagnard. Ils arrivent en haut habillés comme des libellules. Et qui te vendent une gusta, qui te vendent l'autre, qui arrivent d'amont, pause, tout le petit. Ils sortent du vélo avec. Ils ont les chaussures avec les talons devant. Ils arrivent à la fontaine, la testa qui dit, et patapum, il y a tout qui fume. Après, ils vont au bar, mantello, mantello. Le sport peut-être, le vélo, non. Donc, pourquoi appelle-t-on cet instrument un pétadou? C'est pas compliqué. On l'appelle le pétadou parce que il pète. C'est très banal, mais c'est comme ça. Donc, dans le monde entier, on en joue. Par exemple, on peut faire de la valse. Ne dansez pas, c'est pas la peine. Oh, Magali, ma tante et madame, mettez la tête au fenestre, on va t'escondre, qu'est-ce que c'est là? On peut faire aussi la farandole. Tandiyam, paradida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 m, param, parad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 am, parad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 am, parad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 am, parad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 am, parad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 am, param. Merci. On peut aussi faire la bosse neuve. J'en trouve une qui me fait ça, je la garde. La petite Thérèse, la tout petit petit, sa bouche est une fraise, son nez n'est pas fini. Elle a la taille fine comme un ravisselli. Elle a sur la poitrine des petits rayons. On soit jaloux de notre terroir, mais beaucoup d'entre vous ont un jardin ou ont des amis qui ont des jardins. Ils se rendent très bien compte que si on te dit de mettre dans un pain bagnat des févettes et des tomates, il n'y a qu'au carin qui va pas. Tu vois. Quand il y a les févettes, il n'y a pas les tomates. Tu vois. Et quand il y a les tomates, il y a les favasses. Tu ne les manges pas, les favasses. Tu vois. Alors dans une salade niçoise, tu mets des choses crues, des choses du jardin, des choses de saison. Il n'y a rien de cuit dans une salade niçoise. Ce n'est pas compliqué. Et puis si tu as envie de... Tu vois, c'est comme... Alors, l'autre jour, il y avait la fête, tu vois, au village. Bon. Et Francine, elle fait ses pains bagnat. Elle fait toujours les pambagnas. Alors, vous forestier, il arrive, un étranger, tu vois. Tu vois, ils ont les mains dans le dos parce qu'ils ne se sont pas touchés, tu sais. Alors, ils sont comme ça. Ils sont bons, vos pambagnas? Non, non, je fais de la merde, esprit. Non, excusez-moi, madame, mais. Qu'est-ce qu'il y a-t-il à l'intérieur? Il y a qu'est-ce qu'il faut? Oui, mais, non, mais écoutez, monsieur, si, voilà, dedans, je mets de la tomate, des oignons, hein, du concombre, du poivron. Maintenant, si les poivrons, vous le reprochez, si les oignons, ils vous font péter, vous allez voir Roger, il vend des jambons beurre, tu vois. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, un jour, je mangeais avec le directeur des éditions Giletta, Gilbert Grisonnier, et on était complètement démontés tous les deux. Lui, il était avec une nana, t'aurais vu l'engin, 10 euros, tu les mettais. Hein. Une bombasse, tu vois, alors il faisait le beau devant, tu vois. Et je disais, mais comment elle peut être avec lui, tu vois?
Mais elle était pâle que lui, il était juste comme ça, il payait à manger, quoi. Et il faisait le beau et il me dit, tu sais, ça serait bien de, que tu fasses un bouquin sur les expressions, le, comme on parle à Nice et tout ça. Oh, je dis un bouquin, moi j'avais fait de bouquin. Il me dit, ah ben écoute, si tu le fais pas, je demande à Noël Bernard, je le fais. Donc je l'ai fait, le Parler à Nice, on est à la 6e édition. La dernière édition, c'est Maurice Maubert qui l'a illustré. Donc avant, il était à 15 euros, mais maintenant, il est à 17 euros. Ça aussi, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un livre que vous allez classer dans la bibliothèque. Il sera toujours ou au pied du lit ou au cabinet. Et donc, comme il a bien marché, le livre, j'ai pu faire changer la charpente de la maison. Donc, je l'ai fait un deuxième pour essayer de mettre les tuiles.